Et si, dans la troisième partie, dans Matthieu, je vais lire pour nous encore, 7, verset 28. On nous garde bien. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Et va me dire non, la Bible. OK? Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Qui doctrine? Qui doctrine? Et c'est ça que j'ai pour analyser ensemble à vous, en tant qu'un centre de recherche et d'analyse géopolitique, au point de vue social, au point de vue économique, au point de vue politique, au point de vue religieuse. Nous analysons et réfléchissons sur des faits saillants. Puisque le diable se trouve dans les détails, il y a un paquet de petits détails qui viennent entrer dans l'église là. Il y a un paquet de petits détails qui viennent entrer dans la doctrine de Jésus-Christ. Yo vin dévier. C'est ça fait lors à rectifier le tir ou vin paraître tant qu'un élément gênant. Gon paquet détail y a entré. Ce sont des scories et des gangs. Doctrine sont doctrine pure et simple. Son doctrine unie et c'est ça quand j'ai pour le montrer nous. Nous sommes dans l'obligation de faire ça. Et regardez bien, la foule fut frappée de sa doctrine. Matthieu 7, verset 28. Maintenant, dans Marc 6, verset 1er, arrivé juste en verset 2, quand le sabbat fut venu, il se mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, étaient étonnés. Allez là, étaient étonnés. Enseigner, fait nouveau, signe, imprimer une marque. Des faits nouveaux, des savoirs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'enseignement de Jésus n'est pas même avec tout enseignement. La doctrine ou encore le message des trois anges n'est pas même avec tout l'autre message. Le message de l'église du reste n'est pas même avec tout l'autre message. Maintenant, toute inflation, toute scorie, tout détail, toute dérivation qui a entré dans la doctrine. Il fait nous sembler avec protestants. Il fait nous sembler avec œcuménisme. Il fait nous sembler parce que nous tous avons dansé même danse. Nous tous dans le même bouillon, dans même magie. Mais tandis que l'enseignement de Jésus, l'un des faits qui vient avec là, il était étonné tout le monde. Le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste enseigné par l'Église, c'est un élément. Certains éléments dans la doctrine de Jésus-Christ. Tous étaient étonnés en disant d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Miracles qui viennent après. Ce n'est pas ça qu'il a enseigné nous. Mais quand il a inversé, il vient de nous miracle seulement. Tout le monde est étonné. Le message des trois anges, son message qui fait tout le monde étonné. Le Saint Sabbat du Seigneur, manière pour nous manger, manière pour nous comporter, nous sommes toujours différents depuis le monde des mondes. On va parler de mouvement qui fait le jour de la Pentecôte. Et par laissant l'église te fonder. Là, deux ou trois, ça semble à mon nom, je suis au milieu d'eux. M'a parlé le Saint Sabbat qui fait dès la création. Dans Hébreux, chapitre 6, les versets 1 à 3. On fait garder ça, Jésus.
ça l'autre disciple t'a pas le continuer dans enseignement. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser, vous voyez, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Qui ça nous pral enseigner, Mounio, dit Paul. Doctrine ou encore didaké en facteur. Gardez bien. De la doctrine de la foi en Dieu. Hein? De la doctrine de la foi en Dieu. Hébreux 6. De la doctrine des baptêmes. Ça fait 2. 3. De la doctrine de l'imposition des mains. Ça fait 3. De la doctrine de la résurrection des morts. Ça fait 4. Et de la doctrine du jugement éternel. Ça fait 5. Et le verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, doctrine mon Dieu a son sel lié. Maintenant, nous finissons considérer aspect biblique. Nous allons considérer ensemble, lors analyser un thème, parce que nous allons aller sur l'enseignement ou encore doctrine de Jésus, et didaké, que nous allons essayer ensemble. En matière de étude structuralisée, l'on regarde un mot ou regarde étymologiquement, historiquement, grammaticalement. Étymologiquement, nous sommes trop au côté le mot du latin classique et du latin populaire, insignare, signale, enseignement, fait nouveau, signe, signum, mettre un signe, mettre une marque, imprimer une marque. Nous sommes tous tout ça. Maintenant, l'enseignement prend tout verset. Côté où dit la doctrine de Jésus, mon enseignement. Et tout le monde étonné des doctrines de Jésus. Maintenant, à travers le temps, anachronisme. À travers le temps, synchronisme avec le temps, grammaticalement, étymologiquement, historiquement. Ou pralwe tout. 5 éléments ça on ajouté à ou pral wè tout c'était une seule doctrine ou encore un seul enseignement qui t'est gagné depuis l'Ancien Testament pour arriver jusqu'au Nouveau Testament. Maintenant ça n'a pas entré là dans aujourd'hui assez des déviations. Merci.